Hello, bonjour à tous. Super contente d'être avec vous aujourd'hui pour enfin ouvrir la Beautiful Box. Coucou de retour. Enfin bref, la Beautiful Box. Est-ce que ça fait 3 jours, je crois, 3 4 jours que je l'ai. Voilà, elle est toute belle. J'adore. Et bien alors moi je suis très voilà lune, soleil, tout ça. D'ailleurs pour l'occasion j'ai porté mon petit collier avec ma pierre de lune et une étoile à côté. Franchement elle est trop belle, j'adore. La Beautiful Box, il s'applique. On a toujours de très jolies box, super bien designées et c'est une box. Je vais reprendre la description quand même un peu de la box. Donc c'est une box 100% française, bio et que des artisans français dans cette box. Donc je vais de découverte en découverte. Franchement, j'ai plein de nouveaux produits dans cette box et à chaque fois c'est vraiment des full size. Donc on peut vraiment se faire une très très bonne idée sur les produits. Voilà, dans tous les cas, si cette box elle vous plaît, n'hésitez pas à passer par mon lien. Vous aurez 10 euros de réduction sur votre première box. Et la box est sans engagement. Après, vous pouvez acheter qu'une seule box aussi chez la Beautiful Box. Et vous pouvez prendre un abonnement en 3 mois, 6 mois, 1 an, à vous de voir. Non, je vais la garder sur mes jambes. Ça va être plus simple. Chaque fois, bien sûr, on a des petites cartes qui nous parlent des produits qui détaillent les produits qu'on a dans la box. Et là, je vois que j'ai reçu ma deuxième carte de fidélité parce que j'arrive bientôt à la fin de mes 12 mois. Donc là, ils sont en train de relancer donc les produits, comme je vous ai dit. Et puis j'ai reçu, parce que là c'est une box assez spéciale, c'est ma 11e box. Donc ils m'ont envoyé plein de petits trucs. Là j'ai reçu donc encore des cartes. D'accord. Donc en fait ces petites cartes, c'est parce que j'ai reçu donc dans cette box, en plus j'ai eu un carton un peu plus gros que d'habitude, j'ai reçu une boîte où je vais pouvoir du coup ranger toutes mes petites cartes de produits que j'ai reçues donc en 12 mois et plus si je décide de continuer, mais ça c'est une vidéo qu'on verra ensemble donc en février pour la dernière box que je recevrai ou pas. Donc ça c'est la surprise et en fait dedans on a des cartes pour pouvoir mettre le soin qu'on a classé en fait à chaque fois, si c'est crème visage, si c'est un sérum, si c'est voilà. C'est franchement super sympa. Et puis j'ai envie de dire, si vous n'avez pas envie de l'utiliser pour mettre dedans vos cartes, vous pouvez toujours l'utiliser pour ranger vos bijoux, pour mettre du coton. Elle est vraiment très belle. Regardez, c'est une jolie boîte. Voilà. Donc, cadeau du 11e mois. Je suis curieuse de voir ce qu'ils vont m'envoyer pour le mois de février. Voilà, sympa, je suis contente. Alors, comme pour la Glossy Box, comme pour la Look Fantastique, dans la boîte, on a plein de petits. Je ne vais pas vous montrer plus que ça, comme ça je ne vous spoil pas les produits. Déjà que là, je me les suis un peu spoilés, moi. Je ramasse mes petits coutillons, là, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment les appeler à chaque fois, de toute manière. Donc, allons-y. Ah oui. J'oubliais, donc en plus on a notre fiche qui nous indique en gros les produits qu'on a dans la box et qui nous donne donc le produit qu'on aura gratuit parce que quand on est abonné, chaque mois on a un nouveau produit gratuit dans la box. C'est pour ça que ça nous fait 6 produits. Si vous prenez qu'une seule box, vous aurez donc que 5 produits.
Alors, du coup, le prochain produit, donc l'offre du mois de février, c'est un démaquillant pour les yeux. Voilà. Eh bien, tant mieux, super, on a toujours besoin de démaquillant. Alors, allons-y, j'attrape le premier produit. J'ai un masque pour les cheveux de Biotalis. J'adore cette marque. À la nacre blanche. J'attrape la fiche et je vous en dis plus sur le produit. Donc, valeur du produit, tout d'abord, il est à 18 euros. Donc, votre soin capillaire avec ces nacres délicates telles de la poussière d'étoile sublime votre chevelure. Sa texture onctueuse et fondante répare et nourrit en profondeur la fibre du cheveu. Donc un soin capillaire à la nacre blanche de Biotalis. Sympa, je connais pas du tout et j'adore tout ce qui est produit cheveux. Donc hâte de pouvoir le tester. On va le mettre là. Vous avez remarqué, pour les nouveaux en tous les cas, pour ceux qui me suivent, c'est ma nouvelle, en fait, un nouveau, j'essaye de refaire un peu mes contenus. Donc j'ai décidé de laisser les 5 box que je vous présente à chaque fois. Comme ça, à la fin du mois, on fait le point avec un visuel sur les produits. Alors, prochain produit que j'attrape, sérum de nuit solide visage fluid moon. Full moon. Voilà, mon zoom ne veut pas en ce moment, c'est horrible. Dès que je pourrai, je vais changer de caméra parce que j'ai du mal. Enfin bref, déjà celle-ci, elle est à 100 euros. C'est pas donné. Du coup, j'essaye de garder patience. Donc, je vais vous le montrer. Un sérum au format solide, donc comme une petite savonnette. C'est gras, il faut faire chauffer dans la main. Et donc voilà, Balade de Provence, si j'ai pas dit de quelle marque. Donc 25 euros de Balade en Provence, donc un sérum visage solide nuit. Avec seulement 5 ingrédients, ce soin 100% naturel nourrit votre épiderme et booste sa régénération cellulaire durant la nuit. Au réveil, votre peau est réparée, hydratée et reposée. Pour un effet bonne mine au saut du lit. Donc composé de beurre de cacao aux propriétés donc nourrissantes et apaisantes, d'huile végétale rosier sauvage aux vertus antioxydantes et régénérantes. Super. Très intéressant. Franchement, depuis que je fais toutes ces box, j'ai testé là maintenant pas mal de produits au format solide. J'ai jamais été déçue. J'ai justement un shampoing. Ça va être aussi une première pour moi. Je vous dirai quand je testerai. Et le sérum, c'est une première. Eh ben, je suis curieuse de pouvoir tester. Voilà, faut savoir que c'est des produits comme ça, quand ils sont au format solide, c'est des produits qui se conservent bien mieux, plus longtemps, et en réalité, on a un peu plus de produits que lorsque c'est au format liquide. Donc voilà, intéressant. Curieuse de tester, qu'est-ce que j'attrape là? En tous les cas, le packaging est très mignon. Le miracle du miel, c'est vraiment écrit. C'est écrit en tout petit. Je vais pas m'abîmer les yeux plus que ça. D'ailleurs, il faudrait que j'aille voir un ophtalmo, moi. Enfin, bref. Donc, là, c'est un exfoliant enzymatique de lune de miel. Je ne connais pas du tout. C'est une découverte. Donc, c'est un produit d'une valeur de 29 euros. Donc, il y a du miel aux vertus réparatrices et stimulantes. De l'enzyme de fruits donc qui lisse, qui exfolie en douceur la peau. Écoutez, très curieuse, vraiment. Alors pour le moment, j'ai déjà sorti mes deux routines. Je vais voir si c'est operculé pour voir si je peux. Ah ouais, je peux pas. Dommage.
Donc, bien écoutez, hâte de pouvoir le tester et vous en parler courant d'une vidéo produit fini Beautiful Box. Voilà, donc, autre produit que j'attrape, un dissolvant. Ah oui, ça c'est le... Donc ça, je vous le rapproche pour que vous puissiez le voir. Donc ça, c'est le produit qu'on a reçu en cadeau pour ce mois. Donc si c'est une première box que vous avez, vous n'allez pas le trouver du coup dans votre box. Énergie Terre, dissolvant naturel pour vernis cosmique. Oui, en ce moment, voilà, le thème, on l'a vu sur la boîte, c'est Cosmos. La valeur du produit, 12 euros. Succomber à sa formule douce, naturelle et sans acétone. Ça, c'est sympa. Alors, que dire sur ce genre de dissolvant? J'en ai déjà testé. Ça n'enlève pas très bien le vernis. À chaque fois, j'ai été déçue. Donc, eh ben, curieuse de voir ce que celui-ci va donner. Vraiment. Donc, parce que ben, la formule du dissolvant, ce n'est pas l'une des meilleures. Hein. Donc, j'ai essayé de changer parce que ben, ça m'assèche mes cuticules surtout. C'est horrible, je ne supporte pas. Là, ça assèche aussi. Là. Enfin, c'est agressif comme produit. Donc, j'ai déjà essayé de tester comme ça des produits naturels, sans acétone. Franchement, ce qui arrive à bien enlever le vernis, c'est l'acétone. On ne va pas se leurrer. Du coup, je suis vraiment curieuse. Je vous en reparlerai sûrement très prochainement de ce dissolvant. Donc, sixième produit que j'attrape, Peace Skin, donc une crème pour le visage. Ah non, c'est... Oui, en fait, vous pouvez le mettre... C'est une crème qui peut servir pour le visage, bien sûr, mais en fait, sur vos zones sèches. Et ça, c'est super intéressant. Parce que ben, j'ai une de mes filles qui me fait des darts, qui me fait surtout là, cette période hivernale, c'est horrible. Du coup, j'achète pas mal de crèmes comme ça, apaisantes, pour les peaux vraiment très, très, très déshydratées. Je suis curieuse, je vais le tester sur ma fille et je vous en parlerai. Ça, c'est vraiment une crème pour Livia. Parfait! Très contente. Donc c'est une crème d'une valeur de 15 euros. C'est à peu près ça que je paye en pharmacie. Donc, alors ce baume soin zone sèche Boréal de Peace and Skin apaise, nourrit. Et répare les zones sèches. C'est en règle générale, voilà ce qu'on attend de ce genre de crème. Et ben écoutez, le seul moyen de savoir si elle est efficace, ça sera de la tester. Donc je vous dirai ça un peu plus tard dans une vidéo produit fini. Et là, je suis super contente. On a un petit... donc on est dans le maquillage, bon, dans le vernis. Je suis très contente. Alors, Old Tiger, je connais cette marque. C'est justement dans la Bellissime. Normalement, on est censé avoir un crayon. Nous avait fait choisir dans cette marque-là pour en fard à paupières, je crois. Ce crayon, je crois que c'est un fard à paupières. Je suis pas sûre. Enfin bref, je me souviens plus. Je l'attends toujours. D'ailleurs, la Bellissime. Donc c'est Old Tiger, c'est une marque papa en fait qui a créé cette marque pour que sa fille porte que des produits clean. Donc c'est un vernis d'une valeur de 9,80 pour pas grand-chose. Hein. J'arrive pas à voir la quantité, mais c'est un petit vernis. Découvrez en exclusivité le tout nouveau vernis à ongles. Cosmic Pink, tout est au moins porte le nom de Cosmic. Donc Doll Tiger, avec sa base biosourcée et sa formule naturelle. Voilà, c'est des produits vraiment naturels, vegan, clean quoi.
Je suis ravie parce que je les connais, mais j'avais testé aucun produit de cette marque-là. Donc là, je vais pouvoir tester le vernis, le crayon. C'est parfait. Je le pose là. Si tout petit, on ne va plus le voir. Et donc, j'ai terminé avec cette box. Je suis vraiment ravie. Je me retourne un peu. Voilà, et puis on va laisser la caméra reprendre ses esprits. Donc, là, pour le moment, j'ai trois box. Si je dois donner à l'heure un classement par rapport à ces trois, donc une notation sur trois, je continue à mettre en favori ma Glossy Box. Mais par contre, pour le coup, la Beautiful Box passe devant la Look Fantastic. C'est vraiment. J'ai choisi de commencer avec deux box au tout début avec vous. C'est pas pour rien. J'ai pris le temps de faire le tour. J'ai vraiment regardé. Et ça a été deux box coup de cœur pour moi. Donc après, les avis diffèrent sûrement. C'est aussi en fonction de nos attentes. C'est aussi. Moi, je. Voilà. Ce que j'attendais de la Beautiful Box, je l'ai découvert. J'ai pu découvrir énormément d'artisans français. Donc ça, je suis ravie. Mais elle donne pas beaucoup de make-up. Par contre, la Beautiful Box, que je suis quand même fan aussi de make-up. Et voilà. Donc à suivre. Et puis, bon, bah, les trois nouvelles, pour l'instant, elles font leur preuve, hein. Ce ne sont que mes premières box. Donc je ne peux pas vraiment être bon juge pour le moment. En tous les cas, pour la Glossy Box et la Beautiful Box, elles gardent leur place pour l'instant. Elles sont mes favorites. Et je verrai ce que je vais décider en février. J'y pense déjà, hein, me dire est-ce que je les garde, est-ce que je garde pas, est-ce que j'en garde qu'une, je sais pas. À suivre. Sinon, je vous dis à très vite sur une autre vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, bien n'hésitez pas, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Cliquez sur la cloche pour être alerté à une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis portez-vous bien et à très vite. Bye!